Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit samedi, si vous atteignez les 500 likes sur la vidéo avant aujourd'hui, vous auriez une vidéo bonus et vous avez explosé le compteur de likes. Alors déjà, merci beaucoup. Et puisque je vois que vous êtes bouillant, je vous relance un petit défi aujourd'hui. Si on atteint les 1000 likes sous cette vidéo, la prochaine vidéo en UHT sera sur un de vos modes de jeu préférés. Et ce mode sera celui le plus nommé en commentaire. Donc à vous de me dire si vous préférez du AOT UHC, du Demon Slayer UHC ou même du NNT UHC par exemple, voire même des modes de jeu comme Hunter Hunter UHC qui n'a pas été fait depuis très longtemps, dites-moi tout ça en commentaire. Sachant que sur tous les modes de jeu que je viens de citer, il y a eu beaucoup de mises à jour, de nouveaux rôles, etc. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, revenons au sujet de la vidéo. Les amis, bienvenue aujourd'hui pour une vidéo sur un tout nouveau mode de jeu, Full Metal Alchemist UHC. Inspiré du manga portant le même nom, ce mode de jeu aux apparences classiques aux premiers abords va vous surprendre avec des spécificités inédites en rapport avec le manga. Mais avant tout, on retrouve évidemment deux grands camps principaux qui s'affrontent. D'un côté les alchimistes qui sont les gentils et de l'autre les homonculus qui sont les méchants. On retrouve également trois rôles solo, Scar, Kimberly et Yoki. Mais je vous le disais il y a quelques instants, on retrouve des particularités inédites de Full Metal Alchemist comme la pierre philosophale qui sont en réalité au nombre de 3. Pour les utiliser, il faut les charger et pour ce faire, il suffit simplement de tuer un joueur avec. Si la pierre contient au minimum une charge, donc un kill, elle pourra être utilisée à partir de 1 heure de jeu. On aura alors le choix entre 3 avantages en fonction de son nombre de charges, comme des effets aléatoires à savoir force, speed, résistance ou encore un cœur permanent et même la possibilité de ressusciter un joueur de son choix. Passons maintenant à une particularité spécifique aux homonculus, l'aura. Son avantage est très clair, il permet aux méchants de se retrouver plus facilement. En effet, à partir de 1 heure de jeu, des particules rouges suivront à la trace de façon aléatoire un homonculus. Il sera donc évident de savoir si tel joueur est avec nous, mais évidemment cette aura ne sera pas visible par les alchimistes. En parlant des alchimistes, ils ont eux aussi une particularité qui leur est propre et qui se nomme la vérité. La vérité est en fait une zone où tous les joueurs pourront se téléporter à partir de 80 minutes où uniquement les alchimistes pourront faire un des 3 marchés disponibles, dont notamment un qui permet de reset le cooldown de son pouvoir. Mais chaque marché, donc chaque avantage, a des contreparties. D'ailleurs, celui-ci vous fera perdre un cœur permanent en moins. Je vous laisse aller voir le document qui se trouve en description pour découvrir tous les autres marchés disponibles. La dernière particularité est très importante car elle impacte tous les joueurs, même avant l'annonce des rôles. Il s'agit de l'alchimie. C'est en réalité une pioche spéciale qui pourra miner exactement 40 minerais. Chaque minerai miné avec cette pioche rapportera des points d'alchimie. Comme vous vous en doutez, plus le minerai est rare, plus il rapporte de points. Ces points pourront être échangés contre des avantages comme une underpearl, des pommes en or, des effets aléatoires, en plus de ceux de notre rôle, etc. Encore une fois, toutes les informations se trouvent dans le document qui est en description. En parlant de rôle, pour cette toute première partie, nous incarnerons un alchimiste qui est ni plus ni moins que fou. Je possède alors le pouvoir ninja de Win qui me permettra d'obtenir l'effet vitesse 2 pendant 2 minutes. Cependant, j'aurai slowness 1 pendant 30 secondes à la fin de ces 2 minutes. Et ce, avec un cooldown de 10 minutes. Je possède également l'effet vitesse 1 de façon permanente et l'item shuriken qui me permettra de me téléporter dans le dos du joueur que je viserai. Avec un cooldown de 2 minutes, ce pouvoir est très puissant. Malheureusement, le premier problème principal ici est que nous avons aucune information sur nos coéquipiers. Il va alors falloir jouer sur l'espionnage et la prise d'informations pour se créer un groupe et trouver les méchants de la partie, et ce le plus vite possible. Puisque les méchants, à la manière d'un Demon Slayer, ont pour but de se retrouver eux aussi le plus vite possible. Remontons alors dès maintenant et allons au centre prendre ces informations. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. Ça y est, tout le monde qui arrive là. Yo Freizen, yo Skyrimi. Vous avez des infos Skyrimi et Freizen, je pense, à ce stade de la game, mais en vrai, normalement. Bah, moi je viens de. Ah là, Kuka 3 pièces là. Voilà. Montre-moi ton épée. Montre-moi ton épée. Voilà le méchant là. Voilà le méchant. Regarde frérot, je suis méchant avec toi, t'es prêt? 3, 2, 1. Voilà frérot. Alors. Kuka, on fait le truc. Kuka, viens me voir. Vas-y, on fait le truc. Attention, Poucari. C'est moi. Je voulais savoir quelque chose venant de toi. Je voulais savoir si tu étais du camp des gentils ou du camp des méchants nommés, je sais plus comment ils s'appellent. Je crois que c'est Homunculus. Ah ouais, donc t'es méchant. Non, j'ai lu le document. Sache quand même que dans ma tête, tu es déjà à 92% méchant. D'accord, il me reste les 8% de voilà, propage. Il te reste les 8% pour me prouver que t'es avec moi. Bon, honnêtement les gars, connaissant le Kuka, c'est moi, c'est mes gosses, c'est moi qui les ai fait. Kuka est méchant. Seifuri. Bizarre. Bizarre, Seifuri. Tu veux parler à Kukari, Seifuri? Tout le monde, si on veut parler, viens, on va parler Seifuri. Ah. C'est bizarre qu'il veuille pas. Ah. Il y a quelqu'un qui veut que vous entendiez discuter en tout cas. Bizarre, les gars, Phil. Bizarre.
Oh les gars, vous puez les gars. Oh mais m'en dites pas plus les gars. Oh ils sont méchants tous les jours les gars. Ils sont méchants tous les jours les gars. Attends, je vais tenter un bait. Je vais retourner voir. Ok, il vient de lui donner la liste. Moi je reste caché là. Didier, on va se cacher maintenant. Quoi aussi, j'ai peur. Hein? Quoi? Oh bah, super. Au bout d'un moment, c'est trop pégafide là. C'est de l'harcèlement, tu te rends compte? Moi, la dernière personne qui m'a harcelé comme ça, elle est en prison. Oh non, sans de l'autre bien qu'il repartit ce même mental quand même. Tu te rends compte? Papa! A l'aide! A l'aide! A l'aide! Entendez-moi! Entendez ma voix, oui, oui, oui! Oh, let's go! Ok, il lui a donné la liste. J'ai mis sa première fois. Les amis! Oui. J'ai des méchants! Ah, j'ai failli mourir. Des gaps, s'il vous plaît. J'ai deux méchants, ils m'ont sauté. J'ai Kukari et Vayne sont méchants. Kukari a donné une liste à Vayne, ils sont méchants. Je peux avoir des gaps, s'il vous plaît? Moi, je pense vraiment que Kukari est safe. Enfin, toi, c'est vraiment une... Bon, frère, allez. C'est bon, on ne parle plus, toi. Les gars, j'ai deux méchants, allô? Stuff et tout, moi j'ai deux méchants les gars, vous avez des gaps, je viens de me faire sauter par Kukari et Vayne, s'il vous plaît. Kukari et Vayne. Bon, c'est bon ça. Est-ce que vous avez vu Raichu? Avez-vous des gaps? Raichu, s'il vous plaît. Merci les gars. Raichu, bon, des gaps. Régalé. Raichu, je lui fais plus ou moins confiance. Quoi Il me semble les avoir vu partir avec Nerxis. Avec Nerxis? Ouais, tout à l'heure. Ouais, c'est possible hein. Para? Mais comment il est mort? Je suis là frère, j'ai une question à te poser. Vas-y, viens. Tu vas me mettre sur un bloc aussi face à face pour... Non, j'ai du plus concret. Dis-moi, quand es-tu arrivé au centre? Bah, juste après vous, là, je suis arrivé au moment de tout le monde. Voilà. Et pourquoi t'as été absent pendant genre 15 minutes? Là? Bah, c'est parce que je tourne pour respecter le groupe. C'est juste ma manière de jouer, hein, si c'est ça tes questions. Donc genre t'es venu au centre et t'es parti pendant à peu près 15 minutes et tu reviens normal? Pas 15, parce que j'étais dans plusieurs groupes qui étaient à 150-200 blocs et puis je fais le tour, genre je discute des infos. Et dans un groupe, il y avait Vayne's, Zardop, Nirsi. Falco. Je te le dis, je te sens moyennement, Para. Moyen. En vrai, tu vas bientôt me sentir cool, en vrai, je pense. Ok, bah j'espère. Okay. 90% de l'autre faire méchant aussi. Possibilité qu'il soit quoi? Oh mon culé, quoi. Le 8, il est méchant, non? Tu lui fais confiance? Oh, je fais confiance à personne, moi. Je connais juste deux méchants. Ah bah, et parfait, voilà. Bah fais pas confiance à Fumit alors. Ah ouais? Attends, c'est une info sûre ou pas? Parce que moi, je pense que leur groupe là. En tout cas, Nirxis, on m'a dit qu'il était méchant parce que. Il est parti avec Kuka et que Kuka lui a parlé pendant longtemps. Donc ça tient avec le fait que Kuka est... Info sûr. Bah info sûr, bien quoi. Bah vas-y, hein, on y va. Hein. Peut-être, on va vérifier. Oh non. Ah, je croyais que t'avais glitch. C'est quoi ce groupe? Oh, ah. Voilà. Ah, oui, voilà, regarde, c'est méchant. Oui, c'est méchant, c'est méchant. C'est un méchant. Je suis tombé les gars. Je vois plus. Oh mais frère, c'est trop. Ah c'est trop. Oh c'est 20 secondes frère. Oui, c'est trop. Mais il reste des équilibrages à faire dans le mode de jeu, donc c'est... Il y a quoi, du coup, c'est qui? Ah bah du coup, GG. Go. Ah ouais, bah GG. Bah oui, bah non. Bah non, du coup. Je faisais confiance à deux personnes, c'était Tanux et Lenzur. Lenzur est mort. Bon. Mais tu lui fais confiance dessus, à Mathieu? 99, quoi. Ok. Bon, de toute façon, là, il a sorti une bonne info, Flumit est méchant et tout, donc ça fait plaisir. Surtout que... Mathieu, la seule chance qu'il serait méchant, c'est qu'il soit solo. Bon, je pense que je vais tenter Nirxis aussi, les gars. Et si Nirxis est aussi méchant, tout leur groupe, ça part. Hein. Bloodfear aussi, on saute dessus. Hein. T'es sûr, Bloodfear? Bah, 90. Okay. 90%. Et je pense, après, ça c'est vraiment, je pense, je le sens que Para, il a peut-être un rôle solo, Para. Selon moi, hop, je suis tombé alors. Après, il peut très bien être méchant aussi. Putain, frère. En fait, c'est juste à sa façon de jouer, mais bon, il dit que c'est sa façon de jouer, de genre d'être solo, de partir, de revenir et tout, mais je le sens pas. Dans une zone. Et tu peux acheter des... Ah voilà, Fake était méchant. Bon allez, c'est décidé les gars. Ça, mais je sais pas si elle était implantée dans... Ah bah là, Vayne's et tout les gars, juste là, juste là. Ah ok. Bon, Erwan, Kaonix sont apparemment gentils du coup. Chut, chut.
Il y a Kuka là, j'entends. Les gars, il y a Kuka. Ils étaient juste, je les ai entendus, ils sont juste dessous là. Là-bas. Méchant, ouais. Là-bas, il y a un groupe, je pense que c'est lui. Ouais, je pense, ouais. Ouais, il y a Squail. Ouais, lui, méchant. Ah ouais ? Ok. Ouais. Bon, bah pareil, méchant aussi, alors de sûr. Si, il y avait Kuka, à mon avis, ils vont sortir de nulle part, les gars. Ouais, en plus, c'est fight. Non, je pense qu'il est juste solo et qu'il est pas. Ah, j'ai entendu un clavier derrière. Ouais, il y avait Kuka, moi j'ai entendu la voix de Kuka tout à l'heure. Il a déco. Est-ce que ça va dans son stuff vu qu'il y a déco? Je sais pas. Ou alors faut qu'on se... Ah, Kuka est mort. Voilà. Wow. Bon, venez, on reste à 5, les gars. Du coup, Nyrxis, Flumit, méchant encore. C'est groupe de 4, Pegakao. Un groupe de 4. Je peux partir, ça me dérange pas au pire. Et Arwen, je sais que t'as tué des gentils, toi, donc. Moi, je t'avoue que j'ai déjà eu. Ah là, les gars, j'avais dit. Donc, il reste Blood, Nyrxis, Para, parce que moi, je pense vraiment que Para est méchant, du coup. Y'a Blood. Ouais, ouais, il est en train de fight Skyrim là avec. Y'a Blood là devant. Bonjour à tous, vous avez des infos parce que nous on est perdu un peu. Ah ouais ? Bah j'en ai une, frérot. Ok, Dexy peut confirmer que je suis safe si vous voulez. Oui, en plus. Regardez-moi. Là, regarde Dexy, ça là. C'est la... Ok, c'est le méchant du coup. Ouais, bon, vas-y, ça fallait pas. Ça fallait pas me dire ça. Attends, regarde, du coup regarde. Oui, mais moi je fais confiance. Regarde-moi. Oui, mais je sais pas, frère, tu me parles en chinois là, mais. Je sais que tu sais pas, mais je t'assure pas. Mais c'est Reichu qui sort les infos et moi je. Je suis mieux, tout à l'heure qu'il y a une possibilité que je sois gentil. Y'en a une. Ah ouais, je t'assure qu'on l'est. Il y a certains, mais. Il dit que c'est nous les méchants, moi j'ai pas aimé cette phrase là de. Quoi ? Ok. Les gars, sautez-le. Tue-le, il est méchant. C'est mais non, il y a la popo. Mais oui, de tout. Oh, tu sais, fait un méchant. Moi, ça m'a pas tout ça. Ça m'a pas. Il y a trop de trucs qui font que ça m'a pas, mon blue. Je suis désolé. Ah, Raichu, c'est pas sympa de tuer tes potes. En soi, c'est à toi d'être plus. Oh, il tank bien. Il y a pas un rôle qui tank comme ça là. Ah, j'ai rien du tout, en effet, je t'assure. Safe, voilà, je pense qu'il y a c'est solo. C'est solo, la game est finie, les gars. Raichu dit que t'étais méchant depuis. Ça fait genre une demi-heure qu'il dit que t'es méchant. Oui, et... mais d'où il sort ses infos? Bah, j'en sais rien. Raichu, d'où tu sors tes infos? Oh non, je suis dans le sol, frère, mais ouais. Non. Tu devrais savoir d'où je sors mes infos. T'es assez intelligent pour comprendre. Non, du coup. Ah non, le bloc, il me glitch. Du coup, non, je sais pas trop pourquoi tu m'accuses alors que je suis safe, mais tranquille. Le truc qui fait pour moi que t'es méchant, en plus du fait que tu safe l'autre méchant, c'est que tu as sorti la phrase basique du mode « Ah bah c'est eux les méchants du coup », alors tu sais très bien que c'est pas nous les méchants. Et parce que vous avez continué à attaquer, j'en savais rien moi. Qu'est-ce qui se passe du coup? En fait si tu veux je t'explique, bah, en fait si tu veux, pour... si tu veux je t'explique pourquoi je pensais que Dexy était safe. Je pense qu'il est méchant aussi Skyrim. En gros, si tu veux je t'explique pourquoi je croyais que Dexy était safe, en gros... Explique-moi mais je te suis quand même. Pour moi il est sorti avant une minute. Voilà, ouais, mais ça... Bah le seul moyen que je sois méchant c'est d'être solo là. C'est tout. Bah il en reste un donc... Ouais mais je ne le suis pas du coup. Ah, je pense pas que ce soit solo mais je pense vraiment qu'il est méchant. En mais tout je ne peux pas, ouais, mais je sais pas en vrai je ne peux pas, je t'assure que je ne peux pas. Ok, je te crois que tu peux pas être solo, mais... On est rendu à un moment dans la game... Et si j'étais solo, crois-moi que j'aurais activé ma speed 2 depuis un moment pour me barrer, hein. Ouais, je te sens pas quand même, Blood. Mais c'est terrible, hein. Le problème, c'est qu'on est dans la partie où on peut plus trop avoir des doutes. Oh, wesh. Ah, il attaque. Ok, j'arrive. Attends, j'ai plus de vue, moi. Puis je pense que l'autre derrière... Non, c'est bon. Oh, il était gentil. Mais désolé, c'est mon rôle à info, il y avait un pourcentage de chance qu'il soit gentil, mais très très faible, du coup... En vrai, avec un bon rôle, avec un bon rôle, de ouais, je suis désolé, Blood, du coup, mais. Oh, ce bouche de l'espace. Ouais, je pensais rien que t'étais méchant en plus. Hein. Outre les informations de Raichu, comment tu te défendais et tout. C'est lequel, c'est lequel, putain, mais c'est lui. C'est Rémi. Bon, par contre, t'as peut-être pas à 4. Hein. Bon, j'arrête de te Oh, mais c'est groupe de 4. Ah, c'est pas, c'est groupe de 3. Ah merde. Très Blood. Putain, je suis désolé, Blood, mais. Il en reste un. Bon, bah, il reste juste Erwan qui était solo, du coup, les gars. Là, y'a un mec. Ah, bah. Ah, bah, en parlant du loup. Bah, c'est toi qui as tué Yoshiro, du coup. J'ai tué qui? C'est toi qui as tué Yoshiro, tu nous as dit t'inquiète, elle est méchante. Elle était gentille au final. Coup, moi j'ai tué vraiment l'autre là. Enfin, et là t'as encore solo, Erwan, ça me va pas. Il est mort, j'ai jamais. Ouais, je suis vraiment pas le solo quoi, parce que j'ai tué par Doctor, c'est tout quoi. Bah, ça veut rien dire. Bah, oui, mais tu dis que. T'es call de Raichu, t'es sûr ou pas?
Mais non, c'est un salaud. Vas-y, hein. C'est en fonction de ce qui s'est passé, j'ai aucune certitude, mais il y a des gens qui sont vraiment solo. De toute façon, en fait, il y a que des groupes et t'es tout seul, Arwan, donc t'es un peu bizarre aussi. Parce que j'ai tué Paradoxia, donc logique. On est que deux là ? Ouais. Yura et tout. Fallait pas le dire, oh là, mais. Là, j'aime pas ça, gros. Oh, j'aime pas ça. Ouais, j'aime pas ça, j'aime pas non plus. Si t'es solo, si c'est toi le solo, gros, je suis. Moi ? Bah non, mais imagine, il est pas solo, gros. Tu sais que ça sert vraiment à rien ce que tu fais, Pegafil. De quoi que ça sert à rien ? Bah parce que du coup, tu vas manger un petit quoi. Oh, je t'ai cut. Ah, bâtard. J'ai plus de bouffe. Je peux rien faire, en fait, avec Slowness, c'est weakness, quoi, donc bon. Ah, d'un peu, il a plus de bouffe, là. Ah non, je suis full bouffe, hein, je suis bouffe à revenir. Ah, j'ai plus de bloc par contre, c'est un peu le souci ça. Bon, moi je vais me fight avec la Suikess, ça va être un peu chiant. Ah! Je peux pas mettre. Attends, je l'aurai. Ah ouais, t'es juste pas d'une job ça, je le jure. Bonsoir. J'ai plus de vie, gros, faut que j'aille. Vas-y, bon, tranquille, moi je suis très bien. Combien de temps? Tu peux pas utiliser. Ah, ouais. Fun. Tu retournes vers Raichu là, c'est une mauvaise idée. Bah ouais, mais c'est vraiment con ce que vous faites quoi, ce que je dis. Mais vous voulez pas m'écouter, je pense. Oh non. Tu peux rien faire mon gars. Oh, je suis éclaté. Oh, vas-y frère. Tu vas récupérer. Comment ça t'es là toi? Yo frère. T'es venu comment toi? En bateau frère. Ah ouais, j'ai cru comprendre du coup, je suis un peu con. Aïe. Ah, c'est de la veille. Ok, il fait vraiment mal. Non, parce que j'ai weakness du coup. Bah tu fais très mal quand même. Du coup, si le solo il a weakness, c'est qu'il a slowness, gros. Ouais, il a weakness, bah, slowness, mais il va vite et il tape fort, frère, tu sais. Bah, tu fais pas vite, quoi, tu me rattrapes, quoi, donc bon. C'est vrai. C'est un peu con. Puissant. Merde, au pire, plus. Oh merde, bon. Fun. Oh, les problèmes là. Bon, ça devrait aller en vrai. En vrai, en même temps, non. Aïe. Bon. Bah, je te le ramène. Je suis là-bas. Merde, vas-y. Tire-toi. Il me défonce, gros. Ouais. Pourtant, j'ai pas un rôle qui défonce. Tu vois pas 50%. Bon. Je suis mort du coup. Ah, j'aimerais encore plus manger. Bon, c'est rien. Oh. Frère, j'avais un cœur, no gap. Mais tu lui fais confiance dessus, hein, Mathieu? 99, quoi. Ah, ouais. La seule chance qu'il serait méchant, c'est qu'il soit solo. La game est finie, les gars. Le seul moyen que je sois méchant, c'est d'être solo, là. Ah, il en reste un, donc... Ouais, mais je ne le suis pas. On est que deux, là? Ouais. Yura et tout. Oh, j'aime pas ça. Si t'es solo, si c'est toi le solo, gros, je suis... Moi? Oh! J'avais un cœur, les gars. Ah ouais? J'ai un cœur, les gars. Non, Mathieu, non! Non, Mathieu! Non, Mathieu! Bon, de toute façon, c'est lourd, mais vas-y, ça le fait. Pour la beauté du geste, ça le fait. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Pour vous tenir au courant, sachez que c'est bel et bien le camp des alchimistes qui ont remporté la partie, malgré cette belle trahison de Tatnuk sur la fin. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant votre plus gros like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je tenais par ailleurs à m'excuser du retard qu'a pris la vidéo, puisqu'elle devait sortir mercredi, même si ce n'est pas de ma faute, mais à cause de mon logiciel de montage. Pour me faire pardonner, je vais vous faire gagner un compte de votre choix. Ça peut être un compte Netflix, Wakani, Minecraft, comme vous voulez. Pour participer, c'est très simple, vous avez juste à me dire ce que vous voudrez avec le hashtag FMA dans les commentaires. Tirage au sort dans une semaine. Sur ce, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien, c'était Pegafil, je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao ciao.